c'est mon 18e titre individuel entre pistolet 10 mètres et 25 mètres. Le match de qualification était assez difficile, je termine à 3,85. La première moitié très difficile parce que ben, beaucoup de pression, j'avais un titre à défendre, une image à garder, du monde derrière moi qui m'attendait au tournant. Donc assez difficile à tirer et puis avec un bon coaching, j'ai réussi à reprendre le dessus sur la deuxième moitié de match où je finis quand même très très bien. La finale, très contente de ma finale. 102,4, c'est une grosse finale pour moi. C'est vrai que je commence à gérer les finales comparées à quelques années en avant. Le travail qui paye maintenant, l'expérience qui commence à rentrer et je passe de la peur à prendre du plaisir maintenant en finale. Donc c'est vrai que c'est intéressant, ça devient assez sympa pour moi de tirer les finales. Et c'est vrai que là aujourd'hui j'ai pris beaucoup de plaisir sur la finale. La médaille de ma sœur, je suis vraiment très contente. Elle a fait un très très joli match en terminant sur une grosse série à 99. J'étais vraiment contente pour elle. Et donc voilà, après une finale un petit peu difficile, mais elle garde quand même la troisième place, donc je suis vraiment contente. Et le club de Creil est très content. Toujours, je dédie ma médaille à mon père et à ma sœur qui me soutiennent au quotidien. Mon père qui me coach tous les jours et ma sœur qui est toujours près de moi. Et donc voilà, je leur dédie cette médaille.